وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوكب والشفاعة وعلى آله حق قدره ومداد العظيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nous implorons l'grâce d'Allah, sa magnanimité et sa bonté infinie, afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, pour l'amour de notre bien-aimé prophète Mohammed. Alhamdulillah, Inch'Allah, nous allons en quelques minutes parler avec les frères et des essais, Inch'Allah, sur l'importance du temps. Quand on parle du temps, al-waqt, al-zaman, on se dit que le fidèle musulman, lorsqu'il a la notion spirituelle du temps, il gagne sa vie. Mais lorsqu'il perd la notion spirituelle du temps, il perd sa vie. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash-shaytanir rajeem, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Allah jure par le temps que l'être humain est dans la totale réduction. Alors quand on analyse cette sourate, chers frères et sœurs, Imam Shafi'i nous dit: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفرتكم. Si Allah ne faisait pas descendre une autre révélation excepté sourate Al-Asr, elle aurait suffi largement. Ça veut dire quoi? Quand on parle du temps, on se pose la question: est-ce que l'être humain a réellement compris le temps? Lorsqu'on fait des projets pour l'avenir, c'est incertain parce qu'on n'a aucune certitude que nous allons vivre peut-être jusqu'au soir. Alors l'avenir ne nous appartient pas. Et le passé, l'acte qu'on a déjà posé hier est déjà noté quelque part. Alors tout ce qu'on a déjà posé comme acte est déjà mentionné. On pourra peut-être donner le monde entier, mais on ne pourra plus avoir peut-être l'heure, la dernière heure qui vient de passer. Le passé est déjà perdu, l'avenir est incertain. Donc la réalité est l'instant que nous vivons actuellement. Donc chaque être humain doit vivre l'instant comme s'il vivait le dernier moment de sa vie. Ça, c'est la notion réelle du temps, chers frères et sœurs. Et en vivant comme ça, dans notre cœur, on se dit simplement que si je suis dans le péché, pendant que je suis dans le péché, je ne sais pas si c'est la dernière heure de ma vie, je dois tout faire pour éviter le péché parce que la mort, elle peut me parvenir à tout moment. Donc je respecte chaque instant de ma vie, chaque moment de ma vie, comme si je vivais le dernier moment de ma vie. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous dit: bénéficie, profite de 5 grâces avant que 5 autres ne t'arrivent. Ça y est, l'enseignement, chers frères et sœurs. Il dit: Shabab al-Kabla Harami. Lorsque tu es jeune, le temps de la jeunesse est un moment propice pour toi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire plus d'adoration avant que la vieillesse ne t'atteigne. Parce qu'en ce moment, tu ne pourras plus t'élever pour faire 20 à 40 rak'at la nuit. La santé ne te permettra plus. Pendant que tu es jeune, c'est le moment d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pendant que tu es jeune, le shaitan, il vient, il te dit: tu as encore le temps. Ce n'est pas une réalité. Il te dit: tu as encore le temps, ça peut attendre demain, ça peut attendre dans 3 ans, faire encore des projets parce que tu es très jeune. Et il te dira même, subhanallah, que lorsque un jeune adore Allah subhanahu wa ta'ala, il meurt vite. Alors tu te dis: l'adoration, c'est pour des personnes âgées. Et moi, je profite de ma jeunesse. Alors que Allah t'a donné cette jeunesse pour que tu profites
de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est en jeu. Et aussi, je saisis l'occasion pour dire que tous les envoyés d'Allah ont reçu la révélation dans la jeunesse. Parce qu'à l'époque, quand on dit 40 ans, un jeune de 40 ans, il est considéré même comme un enfant à l'époque, parce que les gens avaient la possibilité de vivre jusqu'à 300-400 ans. Et Seyyidina Moussa alayhi salam, un jour, a vu une mère qui pleurait la disparition, le décès de son enfant. Elle pleurait tellement que Moussa approche la mère et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas de pleurer? Elle dit non, pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il est allé très tôt. Alors Moussa alayhi salam demande à la maman, mais il est allé très tôt, il avait quel âge? Il dit à Moussa alayhi salam, il est allé à l'âge de 100 ans. Il avait 100 ans. Alors Moussa dit, mais 100 ans, tu trouves qu'il était très jeune. Mais à la fin du temps, la Oumma de Nabi Muhammad, le plus âgé parmi eux aura 100 ans. Alors la mère était tellement étonnée, il regarde Moussa, il dit à Moussa, mais est-ce qu'ils auront le temps de manger et de boire? Peut-être qu'ils passeront tout le temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous donner une compréhension, chers frères et chers soeurs. Vous savez, Allah, dans sa sagesse, ne nous permet pas de comprendre quand est-ce qu'on va mourir. Quel jour? On n'a aucune idée de ce que nous allons faire demain. Et aucune idée de la terre sur laquelle nous allons mourir. C'est pour qu'on puisse vivre l'instant et se dire à tout moment ça peut arriver. Alors je souhaite que le jour ça va m'atteindre et ça me trouve avec Allah Azzawajal. Bilal mourra. Le jour où Bilal devrait rendre l'âme, Bilal a fait un songe où il a vu le prophète Muhammad. Et le prophète dit à Bilal, aujourd'hui est ton dernier jour. Alors, il y a la dit du prophète qui nous dit, lorsqu'on voit le prophète en songe, c'est comme si on l'avait vu dans la réalité. Alors Bilal se levait, il était tellement heureux. On demande à Bilal, pourquoi est-ce que tu es heureux? Et Bilal dit, non. J'ai envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de voir tous les disciples du prophète Muhammad al-Qur'an. J'ai envie de les voir, j'ai envie de les rencontrer. Parce que Bilal comprend que le temps le plus important dans l'existence de l'être humain, c'est le moment de sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, lorsque Ibrahim devrait rendre l'âme, l'ange de la mort vient voir Ibrahim alayhi salam et dit à Ibrahim, Allah me charge de te transmettre son salam et de te dire qu'aujourd'hui est le dernier moment de ta vie. Alors Ibrahim dit à l'ange de la mort d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ara'aita khalilan yumidu khalilahu. Je suis l'ami d'Allah, mais un ami ne tue pas son ami. Et alors l'ange de la mort revient dire à Ibrahim, que Allah me charge de venir te dire, tu as déjà vu un ami qui refuse d'aller rendre visite à son ami ou qui refuse l'invitation de son ami. Ibrahim dit, marhaban bil liqa'i in kana ma Allah. Alors que la rencontre s'effectue, que la rencontre s'exerce, si ma rencontre va s'exercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Shababan. L'important du temps, chers frères et chers soeurs, on a toujours reporté à demain ce qu'on peut réaliser aujourd'hui. Et lorsqu'on a envie de poser une bonne action, le Cheikhan lui vient et nous dit, mais ça peut attendre. C'est pas urgent. Voilà, et nous sommes encore d'autres projets qui nous font oublier. On ne fait que faire des projets, et ça nous éloigne d'Allah et on gaspille le temps, chers frères et chers soeurs. Il dit encore, Fara raka qabla shughlik. Le temps libre que tu as, profite-en avant les occupations et les préoccupations. Il y a un philosophe, un grand philosophe, qui dit un jour à ses élèves, que aujourd'hui, je veux vous donner la plus grande leçon de la philosophie. Alors, tout le monde
l'écouter attentivement. Il prend une boîte, un récipient pour mieux comprendre. Il dit à ses élèves, vous voyez bien ce récipient, il est vide, il dit oui. Il prend des pierres, il met dans le récipient. Ça remplit. Il demande, est-ce qu'il y a encore de la place dans le récipient? Tout le monde dit non. Il dit d'accord. Il prend des petites pierres, il met dans le récipient et les petites pierres ont eu des places dans le récipient. Il dit, est-ce qu'il y a encore de la place? On dit, franchement, il n'y a plus de place. Il dit d'accord. Il prend le sable et il met dedans, ça rentre. Il dit, est-ce qu'il y a encore de la place? On dit, non, là, c'est plein. Il prend l'eau et il met, ça rentre. Il dit donc, lorsqu'on dit qu'on n'a pas le temps, c'est faux. Quand on veut se donner le temps d'adorer Allah, quand on veut se donner le temps de faire quelque chose, on peut réellement le faire. Nous ne sommes pas obligés d'être tout le temps avec peut-être notre tapis de prière, mais dans la rue quelque part pour dire non, je dois faire des prières sur l'oratoire. Je n'arrive pas à faire mes prières sur l'oratoire, mais mon calme il est là, il existe, mon cœur est là. Avec mon cœur, je peux dire subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Je suis dans l'adoration. Alors, chaque fois qu'on se trouve un temps libre, on doit profiter de ce temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'on se trouve seul, on doit profiter de ce moment pour méditer, pour chercher à comprendre tout ce qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rabbi Atullah Adamiya, qui était une grande sainte, qui disait ceci, chaque fois qu'elle avait envie de dormir, il y a une voix qui parlait à Rabbi en disant à Rabbi, réveille-toi, parce que le serviteur de celui qui ne somnole pas, il ne dort pas, il ne doit pas dormir. Abdouman Laza, Rouzoubousi, Natoumala, non, là, il y en a. Et cette voix disait à Rabbi, tu auras tout le temps de dormir et personne ne te dérangera dans la tombe. Pendant que tu peux te réveiller et faire de la wafil, alhamdulillah, il faut en profiter. Faraba, comme le chourir. C'est hataka, comme la maladie. Lorsque tu es en bonne santé, c'est un temps qu'Allah t'accorde. C'est une grâce qu'Allah t'accorde. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de la santé avant la maladie. On peut comprendre la santé physique. Ça peut être aussi la santé spirituelle. On est en bonne santé. On arrive à faire des nawafil. On arrive à faire des lectures coraniques. Alhamdulillah. Mais souvent, on a la foi. On arrive à poser des bonnes actions, à faire des nawafil, alhamdulillah. Mais il y a aussi la maladie du cœur où on ne sent plus sa spiritualité. On n'a plus la foi. Et pendant qu'on a la foi, c'est le moment de préserver sa foi. C'est le moment de sauvegarder sa foi. C'est pourquoi dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana » Lorsqu'on a la guidance dans le cœur, on va profiter de ce moment pour multiplier ses hasanat. Un chef qu'on appelait chef Yavid, un jour, il sort, il voit ses élèves qui étaient en train de parler. Il parle, et il regarde ses élèves, il leur dit, si le roi de ce pays mettait derrière chacun d'entre vous un contrôleur, c'est-à-dire un policier, qui contrôle tout ce que vous allez dire pour aller lui rendre compte, qu'est-ce que vous allez faire? Et les élèves l'ont dit, on allait contrôler tout ce qu'on allait dire, on allait vraiment contrôler nos langages comme on le dit. Et il a dit, allez, ça allait pour me rater pour le minallah. Mais vous avez oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des assistants derrière vous. Marial Fizumin Kaouli, il a la déclaré pour rater. Tout ce que tu dis, il y a un ange qui écrit tout ce que tu dis, il y a un ange qui suit tout ce que tu dis. Donc l'être humain qui a déjà cette sagesse, il s'est dit que moi je ne dois pas tout dire. Tout ne doit pas venir de moi. Luqman al-Hakim. On a dit que Luqman était très sage. Et Luqman, comme il était un serviteur, c'est pour dire en parenthèse que Luqman al-Hakim n'était pas un prophète, mais
était un sage. Walatadatina Luqman al-Hikmah. Il était un grand sage. Alors le maître de Luqman dit à Luqman, Luqman, j'ai appris que tu es un grand sage. Va immoler une bête et envoie-moi la partie la plus dangereuse de l'être humain. Luqman va immoler la bête et il envoie la langue. Il dit la langue est la partie la plus dangereuse de l'être humain. Et il dit à Luqman de se retourner, d'aller immoler une autre bête et d'envoyer la partie la plus bonne de l'être humain. Il va immoler la bête, il envoie encore la langue. Il dit, mais Luqman, c'est la même partie que tu m'as envoyée. Luqman dit, la langue est la partie la plus dangereuse de l'être humain lorsqu'on n'arrive pas à la maîtriser. Mais elle est aussi la partie la plus bonne de l'être humain lorsqu'on arrive à la maîtriser. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc, c'est Hadak Ablamaradé. Lorsque on se sent bien dans sa foi, lorsqu'on se sent bien dans sa peau, il faut penser à celui qui nous a donné la force de l'adorer. Celui qui nous a donné la santé. On ne doit pas gaspiller cette santé en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le jour de la résurrection, Allah pose la question à tout le monde en demandant Aïna al-Mulku wa Abna al-Mulku. Aïna al-Jalabira wa Abna al-Jalabira. Aïna al-Ladina Ashu fi Khayri wa Abadu Ghayri. Iman al-Mulku al-Yom. Allah demande Aïna al-Ladina Ashu fi Khayri. Ils sont où? Ceux qui ont vécu dans l'habitance, dans l'habitance que je leur ai accordée, dans la grâce que je leur ai accordée, en adorant une autre divinité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ashufirei wa abodurei. Donc on ne peut pas être sur la terre d'Allah. On a la santé que Allah nous a accordée. On a dans notre corps l'âme que Allah nous a introduite et on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce qu'il nous accorde. Et cette grâce-là, on doit l'utiliser pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Rina Kabla Fakrik. Le moment de la richesse avant la pauvreté. Et certaines personnes peuvent dire, moi je ne me sens pas concerné parce que moi je ne suis pas riche. Non. Lorsqu'on parle de la richesse, la santé est la richesse. L'intelligence est la richesse. La foi est la richesse. Tout ce qu'on possède, que l'être humain ne peut pas posséder sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme une richesse. Lorsqu'on possède cette richesse-là, on doit profiter d'elle. Allah nous assiste et nous facilite la compréhension. C'est pour dire, dans toutes les situations, l'être humain bénéficie de quelque chose. Dans la guerre de Badr, Sayyidina Omar radhiyallahu ta'ala anhu donne la moitié de sa fortune pour la guerre de Badr. Et lorsqu'il donne, Omar dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, j'ai pu donner quelque chose avant Abu Bakr. J'ai pu dévancer Abu Bakr dans un bienfait. Alors le prophète lui dit, mais Omar, tu en es là parce que la veille hier, Abu Bakr a donné toute sa fortune. Oh. Et on demande à Abu Bakr, Abu Bakr dit Tarattu fi ahlillah wa rasulah. Je laissais dans ma famille Allah et son bien-aimé. Et il y avait un pauvre parmi les disciples du prophète Muhammad alayhi wa sallam. Il n'avait qu'une aiguille. Alors lorsque les gens venaient donner des salakas pour la guerre des Badr, lui il s'est caché avec son aiguille parce qu'il n'avait rien. Il avait honte. Wa minhum man yulmizu fi salakat. Alors il savait que parmi les disciples du prophète, il y avait des hypocrites. S'il sortait son aiguille, les hypocrites allaient se moquer de lui. Alors il s'est caché, il dit, après je vais passer discrètement, donner ce que j'ai à l'envoyé d'Allah. Et pendant qu'il était caché, Jibril vient voir le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, et lui dit, demande à l'assistance, qui a une aiguille, parce qu'on aura besoin d'elle pour attacher les tentes de battre. Et parmi les disciples, personne n'avait l'aiguille, à part le pauvre qui s'est caché avec son aiguille et il voulait la remettre au prophète discrètement. Alors voici l'homme qui s'élève maintenant, heureux, et il passe au milieu des gens, il va donner l'aiguille au prophète Muhammad.
Donc il était heureux de la sadakat qu'il faisait, mais il voulait la cacher. Comme son intention est bonne, Allah a valorisé ce qu'il voulait faire. Donc ne dis jamais que moi, je n'ai pas la capacité de faire ceci, je n'ai pas la capacité de faire cela. Ne serait-ce même que venir dans une mosquée, faire la prière, on utilise sa santé pour faire le déplacement, on a fait la sadakat. Donc tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède est considéré comme une richesse. Allah nous dit, à travers le prophète Muhammad, de profiter de notre richesse avant la pauvreté. Il dit, hayataka qabla mawtik. Cinquième élément, ta vie avant la mort, chers frères et chers soeurs. Hayataka qabla mawtik. يزيد بن الأسود الجوشاني كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة وكان يصلي من الليل حتى يغمى عليه فقيل له أرح نفسك قال ما حتها أريد c'est un insane qui priait entre maghrib et isha 100 ركعات نوافل entre maghrib et isha. Il avait la capacité spirituelle, il avait la force de le faire sans la carte. Mais lorsqu'il se mettait à prier la nuit, il priait jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Alors ses disciples viennent le voir et disent, Yazid, arrête, repose-toi. Il dit, c'est le repos de mon âme que je cherche. Voilà pourquoi je m'épuise. Arrête, donc Hayat, lorsqu'on est en vie, on a la chance, on a la possibilité d'adorer Allah Azzawajal. On a la possibilité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit le faire. Personne parmi nous n'a la preuve qu'il pourra finir la journée d'aujourd'hui. Personne. On vit et les battements du cœur ont un nombre bien déterminé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah dit le cœur de mon frère, il va battre 10 millions de fois dans sa vie, 10 millions de fois, là il va créer ça à Allah et à sa témoin. Ça ne dépasse pas cela, ça s'arrête. Alors j'ai déjà fait combien de fois et il me laisse combien de personnes que je sais. Donc profite de ta vie avant que mon cas nous assiste. Et la fameuse notre foi qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors pour conclure, le temps est le trésor du croyant. Le temps est la richesse du croyant. On ne peut rien faire dans notre temps qui vaut mieux que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Saisissez ce temps et profitez de ce temps pour vous rapprocher d'Allah en faisant un repentir sincère. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.